Gagner n'est pas facile. Jusque-là, vos destins étaient par équipe. Là, il est individuel. Je vais poser des questions individuelles. Bon, bonne réponse, un point. Mauvaise réponse, moins deux. Moins deux sur le score de l'équipe. Mais pourquoi? Bon, on va être gentil. Non, moins mauvaise deux. Réponse, moins deux. Moins un. Non, moins deux. Ah, moins deux, ben vous avez non. Onze, hein? Oui. Rico, on fait Rico a oublié. On fait comme au foot. Comme au foot. On fait comme au foot. C'est-à-dire? T'as perdu le match, t'as zéro point. Aïe. Tu as perdu, tu as zéro point, mais pas le moins. Non, il faut le moins. C'est ça qui apporte le piment à l'affaire. Allez, on va aller sur plutôt moins un. Moins comme c'est les papas, on va être gentil. Moins deux. C'est pas faux. Ok. On est bon? Extinction totale des lumières. Je me tournais à présent vers Axel Trésor. Pour commencer cette affaire. Avant de répondre, il faudra actionner le buzzer. Vous aurez chacun 15 secondes pour répondre à chaque question. On va parler un peu orthographe. Ouais. La règle, vous la connaissez, c'est pour voir ceux qui sont allés à l'école. Ceux qui sont allés et ceux qui sont allés vers l'école. Il y en a qui, c'est ceux qui utilisaient l'ardoise pour écrire et ceux qui utilisaient pour cahier roman. Ou bien mang, ça dépend des quartiers. Axel Trésor, j'ai deux phrases pour toi. La première, je te la lis. D'un seul jet, ce jet de chêne s'est saisi de cette sauterelle. Comment écris-tu les deux jets? D'un seul jet? Oui. Ce jet de chêne... s'est saisi de cette sauterelle. D'un seul jet. 15 secondes, buzzer avant. 15 secondes. On ne souffle pas, David. Ça s'appelle one-to-one, destin individuel. Jacques? Oui. 15 secondes. Le premier, c'est J-E-T. Le deuxième, ce jet de chêne s'est saisi de cette sauterelle. Ce jet. J. 5 secondes. E accent. Pas à l'école. Moins 1, vous tombez à 21. Premier jet, effectivement, J-E-T. Deuxième jet, G-E-A-I. Ce jet de chêne. Je t'expliquerai après l'émission. Deuxième et dernière question. D'après toi, arpège, est-ce féminin ou masculin? C'est une arpège ou un arpège? 5 secondes. Masculin. Ce sera ton dernier mot? Oui. Bon point. Vous remontez à 22. Extinction de lumière sur Axel Trésor. On va se tourner vers David Tairo, passé maître dans souffler, pour ses camarades. On veut espérer qu'il saura s'auto-souffler. L'auto-soufflerie. Ou l'auto-soufflance. On espère qu'il ne va pas se souffler. Pour moi, ça devrait... Comme dirait un malinqué, j'ai souffri. Si Francie, pour dire souffrance. David Tairo. Phrase toute simple. Il teint cette feuille de thym dans sa main jusqu'au village. Comment écris-tu les deux thym? Il teint cette feuille de thym dans sa main jusqu'au village. 15 secondes, buzzer. Premier thym. Il teint. T. I. T. E. I. T. Cette feuille de thym. Le deuxième thym, c'est T. A-I-N. Ce sera ton dernier mot? Oui. Vous tombez à 21. Habituellement, c'est moins 2. Tim, ça c'est Tim. Il teint le verbe tenir, il teint cette feuille de thym, T-H-Y-M, dans sa main jusqu'au village. Deuxième et dernière question pour David Tairo. Le français est complexe. C'est vrai. C'est pour ça que ça existe le one-to-one. Deuxième et dernière question. Quel est le genre du mot apostrophe? Est-ce masculin ou féminin? Buzzer avant. On ne souffle pas dans le public. Attention, ceux qui soufflent, le micro sont ouverts. Les téléspectateurs vous entendent. Deux heures avant, David. On ne souffle pas. Mm-hmm. Axel, quand tu souffles, ils sauront que tu trichais à l'école. Comme ça, il fait... Ouais. À l'école. 5 secondes, David. Je me lance, c'est... Oui. Masculin ou féminin? Apostrophe. Féminin. Ce sera ton dernier mot. Mm-hmm. Bon point.
Vous montez à 22. Extinction Lumière sur David, je me tourne vers Stanislas Zézé. Pour qui? Moi, tu fais en anglais. En anglais? On ne m'a pas dit en début d'émission, sinon je l'aurais fait. Yako. Ouais, du fait. Allez, Stanislas, première phrase. Ces pots de confiture de coin du Portugal ont été oubliés dans un coin de la cuisine. Comment écris-tu les deux coins? Ces pots de confiture de coin du Portugal ont été oubliés dans un coin de la cuisine. Confiture de coin. Buzzer. 10 secondes. Alors, le premier coin. Coin. Ce serait confiture de coin. Q-U-O-I. Confiture de coin. Deuxième coin, c'est C-O-I-N. Ce sera ton dernier mot, j'imagine. Oui. Vous tombez à 21. Premier coin, C-O-I-N-G-S. Du Portugal. Deuxième coin, C-O-I-N. Moi, je gagnais le deuxième. D'accord. Deuxième et dernière question pour Stan. Ouais. Quel est le genre du mot apogée? A-P-O-G-E, accent aigu, E-S. Féminin ou masculin? Masculin. Buzzer avant. Masculin. Ce sera ton dernier mot? Ouais. Bon point. Position stationnaire, vous montez à 22. Extinction Lumière sur Stan. Je vais me tourner à présent vers Gilles Alexandre India, CEO de Weblogy, pour qui j'ai deux questions. La première, orthographe. On va allumer la lumière sur Gilles. Je la lis cette phrase. Il est recommandé d'appliquer une couche d'après, après avoir poncé la surface à peindre. Comment écris-tu les deux après? Il est recommandé d'appliquer une couche d'après, après avoir poncé la surface à peindre. Buzzer avant. 15 secondes. A-P-R-A-I. Et le deuxième, A-P... Non, A-P-R-E, accent grave S. Ce sera ton dernier mot. Oui. Vous tombez à 10. Premier, après, A-2-P-R-E, accent circonflexe T. Deuxième, A-P-R-E, accent grave S, effectivement. Ouais, l'homme va aller à l'école encore. Il est recommandé d'appliquer une couche d'après, après avoir poncé la surface à peindre. Deuxième et dernière question. Quel est le genre de aparté? Est-ce masculin ou féminin, de ton point de vue? Buzzer avant. C'est masculin. Ce sera ton dernier mot? Oui. Bon point. Vous remontez à 11. Extinction Lumière sur Gilles. Je me tournais à présent vers Rico Amage, le spécialiste des buzzers qui ne marchent pas. Rico Amage, même principe, orthographe. Ah, ok. Jaoli. Ce majestueux être de 40 mètres est un être vivant de plus de 100 ans. Comment écris-tu les deux êtres? Ce majestueux être de 40 mètres est un être vivant de plus de 100 ans. 10 secondes. Ok. Premier être. Le premier être, je dirais, parce que je connais le deuxième, donc je dirais... tout le jeu, oui. On connaît tous le deuxième. A-I-T-R-E. A-I-T-R-E, oui. Et le deuxième, c'est être vivant, donc E accent grave, T-R-E. J'ai le net sentiment que, du fait que cette émission soit sponsorisée par la Société nationale de loterie... Et on gagne, pardon. Que les participants... Du coup, ça voilà. Donne à ce petit jeu de devinettes. De buzzer. Ben non. Non. Vous perdez. Ah premier être. H. Ça, c'est quoi ça? H, E, accent circonflexe, T-R-E. C'est... Un être de 40 mètres. Un être. Deuxième et dernière question pour Rico Amage. Quel est le genre du mot asphalte? Mais si. Est-ce féminin ou masculin? Le geste. Technique. Ah, pourquoi ça donne ce mot, ça joue? Est-ce masculin ou féminin? Il faut que je suis encore parler. Masculin. Oui, mais non, buzzer. Buzz d'abord, et puis c'est faux au même. Ouais. Masculin. Ce sera ton dernier mot? Oui, oui. Bon point. Merci. C'est franchement l'onassis. Hein, vous remontez à 11. Extinction Lumière sur Rico, je me tourne à présent vers Arthur Longeuil, en fait, pour qui j'ai deux questions. Première question. Allez. Arthur, oui. Tout est perdu. Fort l'honneur. Heureusement, il faut être fort. Comment écris-tu le de fort? Tout est perdu, fort l'honneur. Heureusement, il faut être fort. Le premier fort, F-O-R-S. Le deuxième, F-O-R-T. Ce sera ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bon point.
deuxième et dernière question de ce one-to-one. On va faire notre cri de guerre, s'il vous plaît, monsieur. Non. Ah, non. Quel est le genre du mot art? A, 2 R, H, E, S. Ou geste. Masculin ou féminin? Art. Ah. Deux heures avant. Monsieur Lanfou. Poudin qui est là. Féminin. Ce sera ton dernier mot? C'est mon tout dernier mot. Bon point. Non, 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 non. Non, masculin, masculin. C'est ça. Masculin. Le buzzer a sonné. C'est féminin. Masculin, masculin. Non, non, masculin. Le buzzer a sonné. Il a abusé de ma vigilance. Masculin. Vous êtes à 12. Ce sera tout pour le one-to-one. Dans chaque groupe, on a tous perdu la première. Enfin, c'est français. 12. Non, 11. 12. Non, non, c'est pas possible. Ils sont redescendus. Pardon, 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 pardon. Ah, pardon, féminin, féminin, féminin. Non, non, non. Vous êtes à 13. Pardon. Je peux même te donner à toi la définition. Non, c'est féminin parce qu'effectivement, non, j'ai confondu avec la dernière phrase de Rico Hamash qui était masculin, asphalte. Non, non, c'est très bon. C'est je bien. Peux te donner la définition. Vous êtes désormais à 13. C'est bon. 13 contre 22 pour... Tout point. Les Sils. Que la lumière soit. Que tu n'as pas non, eux, ils ont perdu des points.